Jésus-Christ. Chaque jour nous rapproche du grand rendez-vous. Every day brings us closer to the great rendezvous. Le 1er juillet, nous serons à Atekwa. The 1st of July, we are going to be in Atekwa. Il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons, beaucoup There'll de délivrances. There will be a lot of blessings, deliverance, healing. Ce soir, nous allons nous préparer, nous allons étudier un témoignage. Tonight, we are going to study a testimony. À l'Académie des pasteurs. At the Pastoral Academy. Nous avons écouté beaucoup de témoignages. We listened to many testimonies. On analysait chaque témoignage. And each testimony was being analyzed. Pour faire ressortir le message de Dieu contenu dans chaque témoignage. To bring out the message of God inside each testimony. Écoute ce témoignage que nous allons projeter. Listen to the testimony that is going to be projected. Après, nous allons commenter. Then later on, we are going to comment. Et une sagesse va entrer en toi. And the wisdom is going to inhabit you. Je voudrais vous dire une chose. I want to tell you something. L'église. The church. Est appelée. Is called. À renverser les principautés. To overthrow principalities. C'est écrit. It is written. Que nous renversons toute hauteur. That we overthrow every high. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. That stand up against the knowledge of Christ. Et l'apôtre Paul dit. And Apostle Paul says. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Our warfare is not against flesh and blood, but against the wicked spirit in heavenly places. Si tu entends quelqu'un dire. If you hear someone say. Qu'il n'y a pas de principauté à renverser, ne discute pas. That there is no principality to overthrow, please don't argue. Si tu discutes, tu perds le temps. If you argue, you're wasting time. Un prince de Dieu ne perd pas le temps. A prince of God doesn't waste time. Est-ce que vous me suivez très bien? Do you listen carefully? Si un ivrogne dit Dieu n'existe pas, et tu te mets à discuter, tu perds le temps. If a drunkard says God doesn't exist and you argue, you're wasting time. Après, quand il est essoufflé, dit, oh Dieu. And when he's tired, he says, oh God. Prêchez la repentance. Preach repentance. Amenez les hommes à se convertir après la repentance. Bring men to be converted after repentance. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Repentez-vous. Repent. Et convertissez-vous. And be converted. Ne t'arrête pas à la repentance. Don't stop at repentance. Contrains les gens à se convertir. Convince people to be converted. Avec la repentance, ou With alors repentance, par la repentance, or through repentance, on abandonne le péché. We forsake sin. À travers le processus de conversion, And through the processes of conversion, on se soumet à la pensée de Dieu d'une façon radicale. We submit ourselves to the thought of God in a genuine way. Quand quelqu'un se soumet à la volonté de Dieu, when someone submits himself to the will of God, c'est un homme converti. It is a converted man. Il y a des gens qui commettent souvent l'erreur. Quelqu'un vit dans l'adultère, on dit qu'il n'est pas converti. Some people usually mistake. Someone is living in adultery and you say he's not converted. Non, il est mort. He is dead. Quand on pratique le péché, on est mort. When we practice sins, we are dead. Ephésiens chapitre 2, vous étiez mort par vos offenses. Ephesians chapter 2, you were dead through your offenses. Quand on se repent, when we repent, on reçoit la vie. We receive life. Et en tant que vivant, and being alive, on choisit le vrai Dieu. We choose the true God. Repentez-vous. Repent. Et convertissez-vous. And be converted. La foi authentique en Jésus. Genuine faith in Jesus. La repentance envers Dieu. Repentance towards God. Et la conversion à Dieu. And conversion to God. Après, brisez les liens. Then after that, you break ties. Vous désenfoutez les gens. You unbewitch people. Que personne ne vous trompe. Les sorciers existent. Let no one deceive you. Sorcerers exist. Ils envoûtent les gens.
They bewitch people. Les tétékans, les goulis, les poros, les vaudous, les bankaris, the poro, the vaudou, toutes ces choses-là. All those things. Pratiquent l'envoûtement. They practice bewitchment. La divination. Divination. Quand les gens viennent à Christ, when people come to Christ, il faut briser tous ces liens. Those ties need to be broken. Et ça se fait par la parole. And it is being done through the word. La Bible dit Jésus chassait les démons par la parole. The Bible says Jesus cast out demons through the word. Et renverser les principautés. And overthrow principalities. Amener les gens à renoncer à la sorcellerie. Bring people to forsake witchcraft. Et amener les gens à intercéder. And bring people to intercede. Parce que quand tu as fini la guerre contre les esprits et tout le reste, il reste l'intercession pour le salut de l'humanité. Because when you are through with the war against the spirit, now what is remaining is interceding for humanity. En commençant par ton salut, le salut de ta famille. Starting by your salvation and the salvation of your family. L'apôtre Paul a prié pour ses frères selon la chair. Apostle Paul prayed for his brethren according to the flesh. Frère, que personne ne vous trompe. Priez pour que vos frères soient délivrés du péché. Let no one deceive you. Pray for your brethren to be delivered from sin. Jeûnez pour eux. Fast for them. C'est écrit dans la Bible. It is written in the Bible. Que cette espèce that this kind ne sort que par la prière et par le jeûne. Comes out only through prayer and fasting. Si quelqu'un est contre la délivrance, c'est un sorcier. If someone is against deliverance, he's a witch. S'il meurt, il ira à l'enfer. If he dies, he's going to hell. Pendant qu'il est vivant, while he's alive, il peut décider de changer. He can decide to change. S'il change, if he changes, il sera pardonné. He is going to be forgiven. Et il nous appellera frères. And he's going to call us brethren. Certains vont beaucoup regretter de nous avoir persécutés. Some people will regret for having persecuting us. Comme l'apôtre Paul a regretté d'avoir persécuté les disciples. Like Apostle Paul, he regretted for persecuting the disciples. Le témoignage que nous allons projeter. The testimony that is going to be projected. Et celui d'un frère qui a rencontré des difficultés pour se marier. Is that of a brother who faced a lot of difficulties to get married. Pour se marier, il est entré dans le combat spirituel. For him to get married, he entered into spiritual warfare. Le combat contre les principautés. A warfare against principalities. Il a été vainqueur. And he overcame. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Il a combattu. He fought. Il a vaincu. And he overcame. Il a combattu. He fought. Il a vaincu. And he overcame. Quand j'écoutais le témoignage, when I listened to the testimony, c'est-à-dire, moi-même, j'étais heureux d'avoir prêché la vérité. I myself, I was happy for having preached the truth. Or, derrière tous ces blocages, behind all these blockages, se cachait un gros python. There was a big snake, a python. Le jour où il l'a vaincu, the day that he overcame that snake, toutes les bénédictions ont été libérées dans sa vie. All the other blessings were liberated in his life. Écoutez. Listen. RTVC. Gloire à Dieu. Je suis le frère Vicri Assoma et Clément. Je suis missionnaire à Fresco. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Kwao Emmanuel, dans le Bas-Sassandra. Alléluia. Et je suis né le 1986. À Lakota, précisément, à Kwasi-Lilié. Et frère, j'ai été délivré de la masturbation et d'un esprit humain. Et aussi du célibat. Et selon le témoignage de ma mère, elle me disait que quand elle était enceinte de moi, elle disait que elle sentait qu'il y avait l'eau chaude dans son ventre. Et elle sentait que je bougeais, je me déplaçais à chaque moment. Et elle avait mal jusqu'à ce que je vienne au monde. Et quand je suis né, c'était difficile. Frère, c'était même difficile d'avoir la chair sur moi, selon le témoignage de la mère. Et
j'ai vécu dans la maladie. Et quand j'ai pris conscience, bon, moi, je n'ai pas vu ça, quand j'ai pris conscience, tout cela était déjà fini. Et mon père était un prédicateur méthodiste. Nous tous, on a grandi là-bas, on partait là-bas ensemble. Jusqu'à ce que, à l'âge de 14 ans, je puisse fréquenter une église évangélique. Et j'ai expérimenté la masturbation à l'âge de 14 ans. Et j'étais toujours dedans. Même quand je suis en classe, je demandais la permission au professeur. Et je partais me masturber. Et j'étais dedans jusqu'à ce que je fréquente encore une église évangélique. Là-bas, d'après moi, j'étais prophète. Plus que je prophétisais, je parlais en langue à l'église. Il y avait ma chaise à part. Mais c'était mon oncle qui me possédait, mais qui vivait. Alléluia. Et le jour où j'ai eu à parler en langue, je suis allé voir le pasteur. Il a dit, avant que le parler en langue n'arrive, j'ai eu mal à la gorge, ma tête m'a fait mal et j'ai eu rhume. Il dit, non, ok, c'est comme ça, le Saint-Esprit fonctionne. Parce que le Saint-Esprit, avant que ça ne te possède, il faut que ça enlève les maladies en toi. Donc, moi aussi, j'étais content, j'étais heureux. Mais frère, je ne savais pas que c'était un esprit humain qui me possédait. Et le pasteur Dieu, le pasteur de Sassandra, qui venait chez nous à la maison, qui fréquentait mon tuteur, qui prêchait l'évangile à la maison, mais moi, je ne l'avais jamais écouté. Parce que je me disais que moi, je suis un prophète. Je vais faire quoi avec pasteur? Et on me consultait. Je me rappelle bien, il y a une femme qui est venue me consulter. Elle est quittée Abidjan. Elle allait voir ma grand-sœur. Ma grand-sœur lui dit, il faut aller voir mon petit frère. Dieu lui parle beaucoup. Il va te donner des révélations. Et quand elle est venue, on allait prier à l'église. Quand on allait prier, prophétie est sortie. Et puisqu'elle avait besoin de foyer. Et je lui ai dit que Dieu dit qu'il faut partir. Que foyer là, c'est pour toi. Tu vas prendre ça tôt ou tard. Foyer là, elle n'a jamais pris jusqu'à ce qu'elle meure. Et frère, quand je parle la langue, il faut que je tombe. Là, je sais que Dieu a travaillé. C'est-à-dire, si je ne suis pas à terre, c'est comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Et c'est comme ça, frère, le parler en langue, l'esprit humain me maltraitait. Et quand le pasteur Dieu est venu un jour et il a présenté l'évangile, il m'a dit que tu peux réfléchir. Je dis non, que je veux. Il dit non, prends ton temps. Il dit je ne veux pas. Moi, je veux maintenant. Alors que, bien avant ça, ma tutrice, elle avait déjà fait sa repentance et son brisement des liens. Alors que ma tutrice, elle était possédée par un esprit de Python. Elle-même, elle ne savait pas. Elle était diaconesse dans l'église. Et c'est le même pasteur Dieu qui l'avait aussi délivré. Donc moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je vais aussi donner ma vie à Jésus. Et j'ai fait ma repentance. Quand j'ai fini la repentance, je suis allé chez lui, il devait prier pour moi. Quand il m'a imposé les mains nettes, j'ai commencé à faire. Donc, il a vu ça et dit, il a dit à sa femme, l'homme là, vraiment, ça c'est un dossier lourd. Et il devait aller à San Pedro, il y avait une rencontre. Il dit, on n'a qu'à faire son cahier rapidement. Et après ça, ils ont fait mon cahier. Le jour où je devais faire la délivrance, lui aussi n'était pas là, il était à Abidjan ici, à une rencontre. Donc c'est sa femme même qui a fait ma délivrance. On a commencé délivrance de 14h à 23h. Frère, les frères étaient fatigués. Il y a un frère même qui priait, Seigneur, ramène son esprit. La femme du pasteur l'a réprimandé, il dit non, on doit délivrer le frère. Quand elle a dit non, c'est là que le frère s'est repenti. Frère, c'est là l'esprit humain de mon oncle s'était manifesté. Et selon ce que les frères m'ont raconté, ils m'ont dit que
L'esprit disait que je l'ai possédé depuis le ventre de sa mère. Et il devait mourir. Soit sa mère mourait à la grossesse, ou bien soit lui, il mourait à la grossesse. C'est pourquoi quand je suis né, y a une femme qui est venue dire à ma mère que tu ne vas plus faire enfant, c'est fini. Et ça fait que la vieille, à 8 ans, 9 ans, elle me mettait au dos. Même quand je suis en classe, CP1, quand je suis en classe, je pense à elle. Je sais que je dois aller au dos. Ça veut dire que mon esprit n'était pas concentré sur les études. Et quand j'ai donné la vie à Jésus, frère, après la délivrance, je vais au village pour voir réellement que j'étais vraiment délivré. Dieu même pour me confirmer que j'étais. C'est l'oncle même qui me possédait. J'arrive au village, l'oncle arrive auprès de moi. Et il me pose la question, tu vas dans quelle église? J'ai dit le nom. Il dit, ton pasteur, il est gros ou bien il est mince? J'ai dit, ah, il est gros. Il dit, mais et sa femme? Elle est grosse, elle est claire, elle est noire. J'ai dit, ah, oncle, ça c'est quelle question? Il dit, réponds-moi. Et puis j'ai répondu, j'ai dit, elle est grosse, elle est noire. Et il m'a dit que c'est maintenant que tu es devenu chrétien. Et il a dit à mes cousins que suivez-le. Que lui-là, il est dans une bonne église. Et depuis ce jour, frère, il a dit moi, je ne vois plus quelle église qui va me convaincre. Parce que j'ai trouvé le vrai Jésus. Alléluia. À la CMCI. Et après ça, on a continué. Parce que j'ai cru en 2007, je pouvais avoir 19 ans, 20 ans par là. Et on devait aller faire baptême d'une sœur, bon, des sœurs. Et pendant que on était là, ces personnes sont venues et j'étais arrêté à la porte du pasteur Dieu, de sa maison. Et Dieu m'a parlé par intuition que regarde derrière toi, il y a ta femme. Bon, quand j'ai regardé, j'ai vu une sœur, j'ai vu la sœur. Bon, j'ai jugé. Quand c'est comme ça, on trouve que c'est le diable. Effectivement, j'ai jugé. Et j'ai même oublié le dossier. Je n'ai jamais parlé de ça même au pasteur Dieu. Je n'ai pas parlé de ça jusqu'à ce que, frère, on me nomme ancien en 2013 de l'église Sassandra, mais je n'étais pas marié. Et j'étais aussi président des jeunes. Donc quand le président de l'Ouest est venu à San Pedro, on se présentait. Le président des jeunes se présente. Quand si tu es marié, tu dis. Si tu es fiancé, tu dis. Et moi aussi, moi je n'étais pas marié, je n'étais pas fiancé. Il a dit, ce n'est pas normal. Que tu dois voir maintenant. Frère, j'étais obligé. Parce que quand on m'a pris à côté, il dit, tu vas me dire si tu as vu aujourd'hui. J'ai dit, bon, papa, on a fini la rencontre. Lundi, on va causer. Il dit, d'accord. Donc, lundi, on a causé. J'ai dit, ah, j'ai vu ta fille. Puisque la soeur, maintenant, elle vivait chez le pasteur Kouaou. Quand je lui ai dit que c'est la soeur Christabel que j'ai vue, il dit, petit, tu as prié. Hein? Mais elle fait là. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour le mariage. Et elle a ses ambitions. Elle veut aller loin avec sa couture. Donc tu vas beaucoup prier. Il a dit, j'ai compris. Donc en 2014, il a dit à la soeur que je l'avais vue. Elle dit non. Elle dit, papa, il faut laisser ça là. Et en 2015, il a repris la même chose. Elle dit, il faut laisser. Et en 2016, il est revenu dessus. Puisque quand je devais aller en mission, quand j'ai reçu l'appel missionnaire, pasteur Dieu m'avait déjà donné au pasteur Kouaou. Donc en 2015, je suis venu vivre avec lui, pardon, moi 6 mois, et il m'a balancé en mission à Fresco. Et après ça, il m'a envoyé à l'école missionnaire. Donc quand je suis arrivé à l'école missionnaire, on m'a demandé, puisqu'on écrivait sur les bouts de papier, si tu as vu une sœur, tu as écrit le nom,
J'ai mis son nom. Et Pasteur Thieu m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, elle ne veut pas. Il m'a dit que même quand moi j'étais dans le monde, femme ne me refusait pas. Ce n'est pas en Jésus, femme va me refuser. Que toi, femme, te refuse. C'est que toi, tu as un problème. Et Maman Colette a redit la même chose pour dire que si la soeur t'a refusé, c'est que tu as un problème. Est-ce que tu as prié? Tu as gêné? J'ai dit non. On finit l'école missionnaire. On demande encore. J'ai mis son nom. Et j'ai pris 3 jours de jeûne. Quand j'ai pris les 3 jours de jeûne, le 3e jour, je fais un songe. Où dans le songe, elle était en robe de mariage, dans un salon de coiffure. Et il y a sa tante qui est rentrée. Sa tante lui a dit, enlève la robe. On ne veut pas de pasteur dans nos familles. Et elle a enlevé la robe. Je lui ai dit, mais pourquoi tu enlèves la robe? Elle dit, ma tante a parlé. Frère, je retourne à San Pedro. Pasteur Koyo me dit, va vers la soeur. Je vais vers la soeur. Elle dit, niet. Ah! Frère, j'ai dit, mais il est fini, j'ai de 3 jours. Elle dit, elle ne veut pas encore. Donc, moi, frère, c'est comme si c'est Caillou même qui était quitté en haut pour tomber sur ma tête. Elle dit, ah, moi, femme, me refuse. Je suis comme moi-même. Frère, c'était un combat sérieux. Et j'ai prié, intercédé, j'ai jeûné. Après, elle a cédé. Qu'elle a cédé, elle devait aller dire à ses parents. Quand elle allait dire à son oncle dit non, pas de mariage. C'est là le songe m'est revenu en esprit pour dire que c'était son oncle dans le songe. Il dit d'ailleurs, mais je vais t'enlever à San Pedro. C'est bien, tu es là-bas que tu parles de mariage. Frère, j'ai prié jusqu'à ce que le pasteur quand même me dit, petit, il faut laisser le dossier là. Son papa dit, il ne veut pas, il faut laisser. Il lui a dit, le père, puisque ce sont ses parents qui refusent, moi je tiens. Alléluia. Si c'était elle, j'allais me retirer. Mais comme ce sont ses parents, je vais toujours prier. Et ce n'était pas facile. Les frères m'ont dit, il faut voir, il y a des soeurs. J'ai dit, je n'ai pas encore aimé une autre soeur. Le jour où je vais aimer une autre soeur, je vais l'oublier. Et ça fait que chaque année, renversement des principautés, moi je prenais, au lieu de faire 40 jours, moi je continuais sur 3 mois. C'est comme ça que je faisais pour moi. Au lieu de faire 40 jours, moi je fais 3 mois. Mais quand je finis les 3 mois, la situation reste la même. Et en 2018, alléluia, il était tellement jeûné prière que j'étais en train de lire le livre de Frère Zach, Les processus de la foi. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Quand j'ai fini de lire le livre, j'ai eu la foi. J'ai dit, moi, celle-là, je vais la marier. Et frère, je fais un songe. Je vois, je me retrouve au champ, au village, dans la plantation de mon père. Je vois un gros serpent, python. Le python était tellement gros que même ma chatte ne peut pas le tuer, ni boire. J'ai dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, ici là, c'est moi et j'ai ici. Que c'est mon territoire. Donc j'ai dit, mais donc c'est toi qui fais que le champ ne produit plus. Et puis rien n'évolue dans la famille. Il dit, c'est moi. Il dit, ah, ce qu'aujourd'hui là, tu vas mourir. Alléluia. Frère, en même temps, je vois le python est en train de partir. Moi aussi, derrière lui. Et quand, je vous assure, quand le python passe dans le sol couturé, frère, ça se couche. On dirait que c'est un bulldozer qui est passé. Et j'ai couru derrière lui quand il est rentré dans un campement. Et il a pris sa tête. Il est rentré dans une maison qui était un peu gâtée. Il a pris sa tête, il a mis sa tête dans la maison. Et la queue est restée au dehors. Et j'ai appelé les villageois. J'ai dit, venez, on va tuer le python. Quand ils ont vu, ils disent, non, on ne peut pas tuer. J'ai dit, on va tuer. Frère,
On a pris hache, ciseaux, pioche, plus que machette ne pouvait rien faire. On tua le serpent comme si on creusait la terre. Parce que quand tu lances, la chair s'arrache. C'est comme ça qu'on tuait le python. Normalement, le serpent, quand tu mâches sur la queue, la tête revient pour te piquer. Mais lui, pendant qu'on a tenté de tuer la queue, la tête est tranquille là-bas. Donc, arrivé à un certain moment, la queue ne bougeait plus. Il a dit, bon, on a tué la queue, allons-y, on a tué la tête. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Que c'est déjà mort, c'est fini. Il a dit, si on n'a pas tué la tête, on n'a rien fait. Frère, j'avais une force. Alors qu'en réalité, si c'était en réalité, je ne pouvais pas. Mais je vois que Jésus était avec moi dans le songe. Et j'ai pris pioche. J'ai lancé la pioche. Quand j'ai lancé la pioche, j'ai raté. Et il a versé, cracha. Cracha, elle était comme l'eau. Trempé même dedans. Il y a un qui a dit, c'est fini. Il t'a tué. Que ça là, si ça te touche, c'est fini. Il a dit non. Ça là, ça ne peut rien me faire. Alléluia. Et j'ai pris pioche là. J'ai mis. Quand j'ai mis, j'ai piqué. Il y a un qui est venu, il a pris hache, il a coupé la tête. Alléluia. Et à 3 heures, plus qu'on s'appelait souvent à 4 heures, à 3 heures pour se réveiller, pour pouvoir prier. À 3h00, mon potable s'est dit, il faut te lever, tu vas prier. Frère, j'étais tellement content qu'il dit, il y a quelque chose qui va se passer. Plus que ses parents, pour me donner les renseignements sur la dot, c'est ce qui durait maintenant. Son oncle même avait dit oui maintenant, mais pour donner renseignements, ça a pris 2 ans. Donc, simple renseignement pour dire que voilà ce qu'on a besoin dans nos familles pour doter femmes. Donc, dès que j'ai tué le serpent, je l'ai appelé après. Il lui a dit, sois à l'écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Et je vois mon portable sonne. Son papa m'appelle. Il dit allô, il dit allô. Il dit, Paul, est-ce que tu as Big sur toi avec feu? Il dit oui. Il dit, bon, il faut écrire les renseignements. Voilà un miracle. Il dit, il faut écrire les renseignements. Frère, Big là même là, j'ai Big là et puis j'ai dit, ouais, Jésus est Seigneur. Et j'ai écrit les renseignements propres. Et on allait faire la dot. Quand j'ai appelé Pasteur Kwao pour lui dire, lui-même il était étonné. Il dit, petit, donc, tu as tenu? Il dit oui. Il dit non. Parce que, frère, lui-même, il voulait que je me marie tellement que il dit, il faut laisser ce dossier-là. Plus que j'ai fait au moins 5 ans à Fresco, dans le célibat. Et il y a eu des soeurs qui ont fait même repentance pour juste venir marier le pasteur. C'était pas facile. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il y a une même qui m'a dit, je vais venir dans l'église pour me marier avec toi. Toi, joli garçon comme ça, tu prêches l'évangile comme ça, tu n'es pas marié. Je vais venir faire ma repentance. Effectivement, elle est venue. Donc, elle, frère, je ne jouais pas avec elle. J'avais interdit les soeurs à laver mes habits, préparer pour moi, balayer ma maison, laver assiette. Parce que si j'ai fait ça, je sais que ce n'est pas bon. Et quand ça chauffait souvent, je disais au pasteur Kwao, vraiment, où tu me vois là? J'ai l'envie, ça ne va pas. Il dit non, ça va aller, ça va aller. Amen. Et effectivement, j'ai tenu. Puisque j'ai connu une seule fille une seule fois dans le monde, en 2001. Je pouvais avoir 15 ans. Ça fait que j'avais mis croix sur tout rapport sexuel jusqu'à ce que je me marie. Et le Seigneur avait exaucé cela. Alléluia. Et après le mariage, j'ai pris ma femme. On est venu à Fresco. Tous ceux qui voulaient se marier au pasteur, elles ont tous retrogradé.
Jésus-Christ. Elles ont toutes rétrogradé parce que elles ne pouvaient plus regarder le pasteur ni sa femme. Donc c'était difficile pour elles. Amen. Et frère, aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec deux enfants et on vit très bien. Et puisque je l'ai mariée vierge, moi aussi, comme je n'ai pas fait le monde, il y a certaines choses, même frère, je n'ai pas connues. Donc, pour me marier, je suis allé voir maman Lucie et dire, maman, il faut m'aider. Où je suis là, je ne sais pas par quoi commencer, par où terminer. Alléluia. Amen. Ce jour-là, elle était malade. Elle souffrait, elle était dans la chambre. Elle dit, sors. Je dis, je ne sors pas. Elle dit, il faut sortir de ma chambre. Elle dit, je ne sors pas. Tu vas me donner les coups. Et elle m'a donné des vrais coups. Alléluia. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Sinon, frère, si elle ne m'avait pas donné le coup là, vraiment, j'allais gâter Maria là. Que le Seigneur vous bénisse. Ce témoignage met en évidence. This testimony shows that. L'existence des mauvais esprits. It portrays that the existence of evil spirits. Source de blocage, source de maladie, source de pauvreté. Source of barrier, source of sickness, source of poverty. Source de rejet. Source of rejection. De mépris. Of despise. De découragement. Of discouragement. Et même d'abandon de la foi. And even the forsaking of the faith. Que personne ne se cache dans un quartier pour te tromper que le renversement des principautés ne vient pas de Dieu, non. Let no one hide in a quarter to deceive you that overthrow of principality doesn't come from God. Si quelqu'un ne peut pas renverser une principauté, qu'elle reste tranquille. If someone cannot overthrow a principality, let him stay quiet. Dieu aura pitié de lui. God is going to have mercy on him. Il va ouvrir ses yeux. He's going to open his eyes. Mais toi. But you. Mon enfant. My child. Les principautés existent. Principalities exist. Ce jeune homme. This young man. N'était pas vilain. He was not ugly. Cette masturbation là. That masturbation. N'était pas normal. Wasn't normal. Déjà qu'il n'y a même pas de masturbation normale. Je veux dire cette masturbation là avait des origines dans l'enfer. There's no normal masturbation, but that one had its origin from hell. Le python était vieux, ancien. The python was old, ancient. Et avait possédé toute la famille. And had possessed the whole family. Quand il y a un esprit comme le python dans une famille, when there's a spirit like the python in a family, il avale les richesses. He swallows riches. Le Seigneur m'a révélé un jour. The Lord revealed to me one day. Que tout objet qui existe, that every object which exists, a un corps spirituel, has a spiritual body. Quand le sorcier sort en esprit, when the witch doctor comes out in spirit, et que son corps reste sur le lit, and that his body remains lying on the bed, il peut voler ses micros. He can steal this microphone. Il peut le gâter. He can spoil it. En détruisant la dimension spirituelle de cette matière. By destroying the spiritual dimension of this material. Les objets n'ont pas d'âme. Objects don't have a soul. Mais ils ont des corps. But they have bodies. Quand vous voyez un fleuve. When you see a stream. Le même fleuve existe spirituellement. That same stream exists spiritually. Quand tu regardes dans l'eau. When you look in the waters, tu ne verras pas les esprits qui sont dans l'eau. You will never see the spirits in the waters. Tu verras les poissons qui sont naturels comme toi. You will see fishes who are like you. Mais si quelqu'un a la sorcellerie, qu'il a les yeux des sorciers, but if someone has eyes of a witch, il verra les êtres qui sont dans l'eau. He's going to see the living beings in the waters. Ce que je veux partager aujourd'hui, what I want to share today,
C'est la nécessité de prier avec persévérance. It's the necessity to pray with perseverance. En analysant les miracles. By analyzing miracles. En analysant les exaucements. By analyzing answer prayers. Pendant le travail sur le renversement des principautés. During the work on the work of overthrow of principalities. C'est-à-dire quand tu étudies les gens à qui Dieu a répondu. When you study the people that God answered, ils ont été persévérants. They were perseverant. La plupart sont allés au-delà de 40 jours, au-delà de 21 jours. Most of them went beyond 21 days, beyond 40 days. C'est ce que j'ai ramené de l'Académie 2023. This is what I brought back from the Academy 2023. Les frères rendent souvent témoignage. Brethren used to give their testimonies. J'ai même enseigné sur la prière d'opportunité. I've even taught on the prayer of importunity. Encore appelé prière de Gethsemane. Called the prayer of Gethsemane. Mais cette fois-ci. But this time around. Mes yeux s'ouvraient sur la nécessité de frapper jusqu'à la victoire. My eyes were open on the necessity to strike until victory. Voici un exemple. This is an example. Il a frappé, 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 frappé. He stroke, stroke, stroke. Le Seigneur lui a donné la victoire. The Lord gave him victory. Le Seigneur lui a même montré le python déjà fatigué. The Lord even showed him the python already tired. Il ne pouvait plus s'enfuir. He couldn't run no longer. Il a mis la tête dans une vieille maison. He placed his head in an old house. Tout le reste du corps était exposé. And the lung of his body was exposed. C'est un signe de la victoire. That was a sign of victory. Il pouvait chercher les armes pour venir tuer. He could look for weapons to come and kill. Il dit que le python était gros quand il passe comme un bulldozer. C'est comme si un bulldozer était passé. He said the python was so big that when he passes, it was as though a bulldozer had gone through. Ils ont utilisé les pioches. C'est-à-dire quand tu enfonces la pioche, tu soulèves. C'est la chair qui sort, mais le serpent ne meurt pas. Ça veut dire qu'il était très gros. They use spears, and when they use it, the snake will not die. That means he was very big. Il a attaqué. He attacked. Il a versé l'eau sur lui. He poured spit on him. Spit. La parole de Dieu dit. The Bible says. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Every weapon formed against you is going to be without effect. J'ai dit aux frères, si tu rêves. Quand t'as blessé, le sang est sorti, ce n'est pas bon. I told Brendan that if you dream that you were wounded and blood came out, it's not good. Demande la prière. Ask for prayers. Ne néglige pas. Don't neglect it. Comme il était rempli du Saint-Esprit. Because he was filled of the Holy Spirit. La vie de jeûne et de prière, de sanctification, remplie du croyant du Saint-Esprit. The life of fasting and prayer fills up the Christian. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, and when you're filled with the Holy Spirit, dans les visions, tu es très intelligent et très fort. In your visions, you are very intelligent and strong. Tu as des réactions adéquates. You have adequate reactions. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, when you're not filled with the Holy Spirit, c'est quand tu te réveilles que tu réfléchis. It's when you get up from your sleep that you start thinking. Il a persévéré. He persevered. Dès que le serpent fut tué. As soon as the snake was killed. Le père l'appelle. The father calls him. Hey, est-ce que tu as un bic là? Prends. Do you have a pen? Écris maintenant. And a paper, write. Pendant down. 2 ans. For 2 years. Il attendait qu'on lui dise que voici ce qu'on doit donner pour la dot. He was waiting that the items of the knockdown should be given to him, of the dowry should be given to him. Frères, brethren, nous sommes des hommes spirituels. We are spiritual men. Dieu n'a pas besoin de sonner les trompettes pour nous parler. God doesn't need to blow trumpet to speak to us. Même les signes, even signs, sont prophétiques pour les hommes spirituels. Are prophetic for spiritual men. Il y a les miracles. There are miracles, les signes, signs, et les prodiges, and wonders. Mais les gens maîtrisent les miracles.
But people master miracles. Les gens savent facilement que ça c'est un miracle. They can know, discern that this is a miracle. Ils savent que ça c'est un prodige. They know that this is a wonder. Mais les signes. But the signs demandent beaucoup d'intelligence. Need a lot of intelligence. Les signes sont comme des symboles. Signs are like symbols. On peut décider, il y a des gens qui prennent les palmes et l'accrochent. Dès que tu vois, tu sais qu'il y a le banguise dedans. There are people who take palm, the branches of palm trees, and they hang. And when you see, you know that it's palm winder. Un miracle. One miracle. Où il ressort clairement que quelqu'un a jeûné, il a prié et il a combattu contre un esprit, il a gagné. Et on a les résultats au niveau social, au niveau visible. Si tu continues à douter, un jour, les vers vont te caresser dans la tombe. Meanwhile, a miracle where someone clearly fasts and pray and we see the result. Socially, physically, we can see the result. If you keep doubting, one day the worms are going to visit you in the grave. Allez. Go. Prêchez la repentance. Preach the repentance. Ne craignez rien. Don't be afraid. Personne ne peut rien contre vous. No one can stand against you. Contre nous. Against us. Prêche la repentance. Preach the gospel. L'apôtre Paul dit que nous contraignons les hommes. Contraignons les hommes à se convertir. You have to constrain people to repent. Ils peuvent te critiquer en disant, non, tu veux dire que vous êtes les seuls. They are going to criticize you saying that you think you're the only ones. Ne perds pas le temps. Dieu sait que ce n'est pas ce que tu veux dire. Don't waste time. God knows that that's not what you mean. Dieu sait. God knows que tu prêches la repentance. That you are preaching repentance. Et que tu exiges la conversion. And that you require repentance. Dieu sait. Dieu te connaît. God knows you. Brise les liens malsains des hommes. Break evil ties of men. Renverse les principautés. Overthrow principalities. Enseigne aux gens comment le faire. Teach people how to do it. Et fais-le continuellement toi-même. And do it continuously. Au ciel. In heaven. Tu auras une récompense. You're going to have a reward. Tu seras heureux. You will be happy. D'avoir combattu le vrai combat, le bon combat. Of having fought the good fight of faith. Ne craignez rien. Don't be afraid. Même si c'est un collège de pitons. De la taille de celui que le frère a tué, ils seront tous. On va couper toutes les têtes. Even if it is a board of pythons, all their heads are going to be cut off. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il a dit. He said. Je vous ai donné mon pouvoir. I've given you my power. Il a donné le pouvoir. He has given power. Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. To walk over snakes and scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And over all the power of the enemy. Il dit, rien ne pourra vous nuire. And nothing can stand against you. C'est Jésus qui parle. It is Jesus who is speaking. Rien ne pourra te nuire. And nothing can stand against you. Ne crains rien du tout. Don't be afraid. Le vrai problème. The real problem. C'est comment apprendre à payer le prix. Is how to learn how to pay the price. Cet enfant a payé le prix par grâce. Dieu lui a montré le chemin. This child paid the price and through grace, God showed him the way. Quand nous on fait 40, il fait 90 jours. When we do 40, he does 90 days. Un jour, one day, le Seigneur m'a dit, the Lord told me, tant que vous n'avez pas enseigné, as soon as you have not taught, que les démons les plus puissants, as long as you have not taught that the most powerful demons, ne sont chassés que par le jeûne et la prière, can only be cast out through fasting and prayers, tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. All your teaching on deliverance is incomplete. C'est ça qui nous a conduit au renversement des principautés. That is what has led us to the overthrow of principalities. Qui est fondé sur la prière d'importunité. Which is founded on the prayer of importunity. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Seulement que ici. Just that year. Quand vous allez prochainement engager le combat contre les principautés. When next you are going to enter into a battle against principalities. Faites une chose. Do one thing. Étudiez la faute, les fautes commises, les péchés commis. Study the sin you've committed.
et étudier les jugements de Dieu contre ceux qui commettent ces péchés-là. And study the judgment of God against those who commit such sins. Pourquoi? Why? Parce que la puissance d'une intercession. Because the power of an intercession est directement proportionnelle à la révélation des péchés commis et des jugements que ces péchés attirent. Is proportionate to the sin committed and the judgment that that sin has attracted on you. Pour que Moïse intercède, for Moses to intercede, Dieu lui a révélé que le peuple a péché. God revealed to him that the people had sinned. Qu'il a fabriqué un veau d'or. That they have made a calf. Et ils étaient en train de se divertir. And they were enjoying. Moïse avait d'abord cru que c'était les cris de guerre. Moses thought that they were shouts of battles. Ce n'était pas les cris de guerre. It was not a shout of battle. C'était les cris d'un peuple qui avait bu et qui se divertissait. It was a shout of a people who had drunk and were enjoying. Donc, quand il descend de la montagne, when he comes down from the mountain, il sait, he knows, qu'il y a le péché dans le camp. That there is sin in the temple. Si tu n'as pas cette connaissance, if you don't have that knowledge, tu ne peux pas intercéder. You cannot intercede. L'intercession ne vient pas ex nihilo, à partir de rien. Intercession is not born from nothing. La connaissance du crime, the knowledge of the crime, plus la connaissance du jugement, plus the knowledge of the judgment, crée l'intercession dans le cœur. Create intercession in the heart. Dieu a dit, je veux les détruire tous. God says, I will destroy them all. Quand tu sais, when you know, que Dieu a l'intention de tuer tout le monde, that God's intention is to kill everyone, c'est toi qui peux prier. You're the one who can pray. Il y a des gens qui veulent prier ne connaissent même pas ce que Dieu veut faire. There are some people who want to pray and they don't know what God is about to do. C'est pour cette raison que pendant que tu es dans le jeûne, and it is for this reason that while you are in the fast, pour renverser les principautés, to overthrow principalities, demande à Dieu, ask the Lord, d'ouvrir tes yeux, to open your eyes, que tu vois les choses comme lui, Dieu, les voit, so that you can see things the way God himself sees them. Si Dieu te dit, if God tells je vais tuer tout le monde, I will kill everyone, mon ami, my friend, ta prière va changer. Your prayer is going to change. Si tu ne le sais pas, if you don't know, tu vas chanter des cantiques. You're going to sing hymns. Comme on dit que le poète Alexandre chantait les cantiques alors que Rome brûlait. Lui, il chantait les cantiques. Like they say, the Pope was singing hymns while Rome was burning. Notre prochain jeûne, our next fast, entre avec révélation. Enter with revelation. Les eaux que vous voyez, the waters you see, il y a les principautés dedans, il y a les esprits des eaux. You have spirit of waters and principalities inside. Les montagnes, the mountains, les gros arbres, the big trees. Parce que quand le diable est tombé avec son armée, because when the devil fell with his army, ils ont pris des positions diverses. They took different positions. Un tombe sur le banc d'armée et dit, ça c'est pour moi. One falls on Padamai's stream and he says, this is my possession. D'autres tombent sur la lagune Ébrier. Il dit, c'est moi ici. And one falls on the lagune Ébrier and he says, this is mine. Donc, dans les eaux, il y en a. In the waters, you have. Dans les lieux célestes, il y en a. In the heavenly places, you have. Sur la terre, il y en a. Under the earth, you have. Sous la terre, il y en a. Under the earth, you have. C'est pour cette raison qu'il dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. It is for this reason that the Lord says that he has Dieu given a donné to à son Jesus, fils, his son, the name above every name, afin qu'en son nom, so that in his name, tout genou fléchisse, every knee bow, dans les cieux, in heaven, sur la terre, on earth, et sous la terre, and under the earth. Ne sois pas dans l'ignorance. Don't be ignorant. Il y a des principautés sous la terre. You have principalities under the earth. Quand la fin du monde, à la fin du monde, at the end of time, tous ces esprits,
all these spirits seront jetés dans le lac de feu. Will be thrown in the lake tous. Of fire, all of them. Et plus les pécheurs qui tous les êtres humains qui auront refusé la repentance, qui auront refusé le règne de Jésus, tous dans le lac de feu. Plus every human being which has refused repentance and the reign of Jesus, all of them in the lake of fire. En attendant le jour du jugement. Why waiting for the judgment day? Le jour du dernier jugement. Why waiting for the last judgment day? Prêche l'évangile. Preach the gospel. Prêche la repentance. Preach repentance. Contraint les hommes à se convertir. Contraint, oblige people to repent. Brise les liens malsains. Break evil ties. Chasse les démons. Cast out demons. Renverse les principautés. Overthrow principalities. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering for Jesus Christ. Deux ans pour donner la liste. Deux ans. 2 years for a list. Le python. The python. Était là. Was there. Avec tout ça dans son ventre. With everything in his stomach. L'école ne marche pas. School is not working. Il n'y a pas de mariage. No marriage. Jésus a dit. Jesus said. Le voleur ne vient que pour dérober. Frère, le diable ne donne rien. The devil can't give you anything. Tu peux même commencer avant même les autres. You can start before others. J'ai commencé ma part le premier. I started my own on the first. Je bénis le Seigneur parce que je commence avec ces révélations dans mon esprit. I bless the name of the Lord because I am starting with this revelation in my spirit. Tous ceux qui ont combattu. All those who fought. Avec persévérance. With perseverance. Ont eu de grands résultats à tous les niveaux. They had great results at every level. Quand on lance un jeûne. When a fasting is being proclaimed. Et que toi tu décides que tu vas faire un jour. And that you decide to do one day. Il n'y a pas de problème. There's no problem. Le Seigneur va t'exaucer pour un jour. The Lord is going to grant you one day. Si tu as vraiment des problèmes. If you truly have problems. Paye le prix. Pay the price. Dieu ne peut pas t'abandonner. God can never forsake you. Il donne à celui qui demande. He gives to the one who asks. Il ouvre à celui qui frappe. He opens to the one who knocks. Et celui qui cherche trouve. And the one who searches finds. Je voudrais que 10 frères viennent intercéder. I want 10 brethren to come and intercede. Que le Seigneur nous enseigne à frapper avec persévérance. That the Lord should teach us how to strike with perseverance. Que le Seigneur nous enseigne. That the Lord should teach us. Qu'il faut frapper, frapper strike, jusqu'à la strike, victoire. Strike until victory. Lis pour nous Exode 23, verset 22. Read for us Exodus 23, verse 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and I will oppose those who oppose you. Amen. Continue. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Je les exterminerai. I will cut them off. Lis pour nous 2 Rois chapitre 13 verset 18. Read for us 2 Kings chapter 13 verse 18. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois
Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Amen. Then he said, take the arrows, and the king took them. Elisha told him, strike the ground. He struck it three times and stopped. The man of God was angry with him and said, you should have struck the ground five or six times. Then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will defeat him only three times. Amen. Hallelujah. Élisée dit encore, prends les flèches. Then he said, take the arrows. Et il les prit. So he took them. Élisée dit au roi d'Israël. And he said to the king of Israel, frappe contre terre. Strike the ground. Et il frappa trois fois et s'arrêta. So he struck three times and stopped. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, and the man of God was angry with him and said, il fallait frapper cinq ou six fois. You should have struck five or six times. Pourquoi tu t'arrêtes à trois? Why are you stopping at three? Il fallait frapper cinq fois, you should six have fois. Struck five, six times. Tu les aurais exterminés. You will have destroyed them. Pourquoi tu t'arrêtes à trois? Why are you stopping at three? Pourquoi tu t'arrêtes à trois? Why are you stopping at three? Beaucoup se sont arrêtés à trois. Many have stopped at three. Mais ils veulent les résultats de six. But they want results of six. Et ils disent que Dieu n'a pas, Dieu ne fait rien pour eux. And they say God is doing nothing for them. Il fallait frapper cinq ou six fois. You should have struck five or six times. Il fallait frapper cinq ou six fois. Five or six times. Il fallait frapper cinq ou six fois. You should have struck five or six times. Tu les aurais battus. You would have destroyed them. Jusqu'à leur extermination. You have destroyed them. C'est ça nos combats, fleque une fois, fleque deux fois, fleque trois fois. They just do it fleque very weak. Après tu dis les choses n'ont pas changé. And you say things have not changed. Il fallait frapper cinq ou six fois. You should have struck five or six times. Il fallait frapper cinq ou six fois. You should have struck five or six times. Tu es toi-même. You are yourself. Ta propre limitation. Your own limitation. J'étais comme toi. I was like you. Mais ce témoignage m'a révolté. But this testimony il fallait frapper cinq ou six fois, cinq ou six fois, cinq ou six fois, cinq ou six fois, cinq ou six times. Cinq ou six fois. Five or six times. Et même plus. Or even more. Pourquoi pas? Why not? On doit frapper jusqu'à l'extermination. We must strike until we destroy them completely. L'ennemi est encore debout. Toi, tu dis que tu as fini le travail. The enemy is still standing and you say you're through with the work. Oh, Seigneur, secours-nous. Oh, Seigneur, tu es en train de nous mettre devant notre responsabilité. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, moi et mes frères, Seigneur, nous sommes arrêtés. Oh, avant même la troisième fois, c'est la troisième frappe, Seigneur. Et voici, Seigneur, nous nous sommes déjà lassés en disant, oh, les choses sont les mêmes, les choses ne changent pas. Oh, Seigneur, cette nuit, tu dis, de demander, Seigneur, oh, de nous enseigner, Seigneur, à frapper. À frapper, 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 frapper. Oh Seigneur, car tout dépend de la manière dont nous allons frapper et de comment nous allons frapper et de jusqu'à quand nous allons frapper. Oh Seigneur, arme nos cœurs. Oh Seigneur, arme nos reins. Oh Seigneur, arme nos pieds. Oh Seigneur, afin que nous puissions frapper. Et effectivement, il y en a à frapper. Oh, vous êtes intelligents pour réaliser que le jugement plane. Oh Seigneur, pour voir, Seigneur, les calamités. Oh Seigneur, pour réaliser que les crimes sont là et que je ne laisserai pas impuni. Oh Père, rassemble-nous. Oh Père, fortifie-nous. Oh Père, révolte-nous, Seigneur. Et conduis-nous à cette bataille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonne-nous, pardonne-nous. Parce que quand le dirigeant lui-même a décrété le jeûne de 40 jours pour le renversement des principautés personnelles et familiales, nous avons décidé de prendre un jour, deux jours, trois jours. Et nous avons arrêté. Et on n'a pas eu de résultat. On a accusé Dieu que Dieu n'a rien fait pour que chaque année on renverse les principes. Pourtant, nous n'avons pas payé le prix. Délivre-nous de cette folie de demeurer dans cet état.
Aiguise notre intelligence afin que nous nous levions et que nous frappons jusqu'à l'extermination totale. Tu as dit quand le diable est tombé avec ses démons, ils ont occupé des positions diverses. Nous ne savons pas, Seigneur, quelle position les principautés de nos familles ont occupé. Mais nous avons décidé de jeûner 3 jours. Ça n'a pas rapporté de victoire. Il n'y a pas eu de victoire, il n'y a pas eu de victoire. C'est notre faute, c'est notre faute. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Et amène-nous à prier avec persévérance jusqu'à l'extermination totale, jusqu'à la victoire totale. Visite chaque frère afin que le combat soit pris avec plus de sérieux qu'avant, de sorte que nous rentrons dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille-nous de cette saine colère. De cette saine colère, Seigneur, pour frapper, jusqu'à l'extermination totale. Seigneur, je prie pour moi-même. Seigneur, je prie pour moi-même. Oh Dieu, donne-nous cette capacité. Seigneur, donne-nous cette connaissance. Seigneur, donne-nous cette attitude. Seigneur, ce caractère pour frapper, jusqu'à l'extermination totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. Nous t'exaltons, nous te célébrons pour ton amour. Seigneur, tu veux nous bénir, mais Seigneur, nous sommes passifs. Oh Seigneur, nous prions que tu ouvres notre entendement pour comprendre, Seigneur, ces vérités que tu nous donnes. Oh Dieu, ouvre notre accorde-nous des révélations. Que Seigneur, pour que cette année, le jeûne que nous allons commencer, Seigneur, nous n'y entrons pas comme les années passées, mais que nous y entrons avec révélation. Que chacun soit armé de la pensée, de persévérer, de frapper jusqu'à l'extermination de l'ennemi. Oh Dieu, délivre-nous de la paresse, de la négligence, de la passivité. Oh Dieu, nous prions. Oh Seigneur, visite l'église, ouvre l'intelligence pour comprendre, Seigneur, ces vérités. Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, je prie, ô Père, pour te demander pardon, Seigneur, pour ce que les années antérieures, nous avons fait le jeûne avec beaucoup de négligence. Seigneur, je prie, ô Éternel, que tu nous pardonnes. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu accordes, ô Dieu, que Seigneur, chacun de nous, ô Seigneur, s'arme de courage et persévère dans la prière cette année. S'il te plaît, Seigneur Éternel, Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, Seigneur, accorde à chacun de comprendre que les choses sont telles qu'elles sont parce qu'on n'a pas payé le prix. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes, tu pardonnes à l'Église, tu pardonnes à chacun de nous, ô Seigneur, pour ce que l'amour de la nourriture a envahi le cœur, que chacun de nous persévère à payer le prix comme il se doit. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, Seigneur notre Dieu, d'abord en te rendant grâce, parce que c'est une révolution que tu démarres ce soir dans mon cœur. Seigneur, je prie pour répondre, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour frapper jusqu'à extermination, pour frapper. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour renoncer, Seigneur, au laxisme, au manque d'engagement, à la passivité. Oh, je dois frapper l'ennemi jusqu'à l'extermination. C'est ce que tu veux de moi. Je veux frapper. Je veux payer le prix qu'il faut, Seigneur. Si notre frère avait même écouté des conseils, Seigneur, peut-être qu'il ne serait même pas encore marié. Je vais frapper jusqu'à l'extermination. Seigneur, dès mon retour au Cameroun, j'entre dans le jeûne. Jusqu'après le renversement des principautés, je vais frapper jusqu'à l'extermination, jusqu'à la victoire totale et définitive. Oh, je prie, Seigneur, que nos cœurs s'arment, Seigneur, d'une sainte colère ce soir. Seigneur, pour nous lever
Seigneur, pour démarrer cette révolution. Seigneur, merci d'ouvrir encore mes yeux pour voir la réalité du combat. La victoire est entre mes mains. Tout dépend de moi. Tu viens encore de dire, même s'il y a des centaines de serpents, j'ai la victoire entre mes mains. La victoire dépend de moi. La victoire dépend de moi. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Je me tiens avec toi. Je vais frapper. Je vais frapper. Je vais frapper l'ennemi jusqu'à l'extermination. Mes échecs viennent du fait que je n'ai pas persévéré. Mes échecs viennent du fait que j'ai été passif. Je refuse et je renonce à la passivité. Oh notre Dieu, je vais frapper, je vais frapper, je vais frapper. Termination de l'ennemi. Seigneur, merci de me donner la victoire encore aujourd'hui au travers de ta parole. Merci pour ta parole qui me libère. Merci pour ta parole qui me libère. Je pars pour vaincre. Je pars pour vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu montre le chemin, when God shows the way, il faut emprunter ce chemin. You have to take that road. Cette année, this year, c'est une année de bénédiction. It is a year of blessing. Je vous ai dit que quand je prépare un événement, I told you that when I'm preparing myself for an event, je peux savoir si Dieu sera là. I can know whether God is going to be there. Il commence à m'enseigner sur comment faire. He start teaching me ahead of time how to do. Ça veut dire qu'il est engagé. It means that God is committed. Si tu as un projet, tu pries, Dieu ne parle pas, tu fais ceci, Dieu ne te dit rien, attention. If you have a project, you pray, God doesn't say anything, be careful. Quand il est dedans, when he is committed, il fait comme il est en train de faire là. He does the way he is doing. Il prépare le chemin. He prepares the way. Il sait que on a déjà fait ça plusieurs fois. He knows that we have already done this many times. Il veut nous donner la victoire, la victoire. But he wants to give us the victory. Il y aura un type d'exaucement que certains n'ont jamais vu. There will be a type of answer prayer that some people have never seen. Quand tu écoutes ce témoignage, when you listen to this testimony, tu comprends que beaucoup ont raté leur examen à cause de les démons ont dit au professeur mais zéro. Many people fail their exams because the demons told the teacher put zero. Il a mis zéro. And he put zero. Si tu lui demandes pourquoi tu donnes zéro à cet enfant, il ne sait pas. And if you ask him why are you putting zero to this child, he doesn't know. Ta fille veut se marier. Your daughter wants to get married. On veut payer la dot. Tu veux qu'on te donne combien? Tu refuses. And they want to give the dowry. How much you refuse? Tu ne sais pas. You don't know. Quand le python est tué. When the python is killed. Hey, petit, tu as le big, prends le big. Say, do you have a pen? Take a pen. Écris. Write down. Frère, c'est ça qu'on appelle les miracles. This is what is called miracles. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Ça veut dire que nos yeux sont en train de voir la gloire de Dieu. It means that our eyes are seeing the glory of God. Ça veut dire que si tu fais la même chose, it means that if you do the same thing, tu seras béni. You're going to be. Tu seras béni. You're going to be blessed. C'est pour cette raison qu'il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. It is for this reason that the Bible says that Elijah was a man of the same nature with us. This brother, il est de la même CMFI comme toi, c'est he is from CMFI like you. Il a un faiseur de disciples. He has a disciple maker. Un masturbateur. He was a masturbator. Il demande la permission au maître. S'il vous plaît, je veux sortir. He used to ask for permission to go out. Dès qu'il tourne la masturbation, il revient. To go and masturbate himself and come back. Après, l'hôpital, il donne la vie à Jésus, l'hôpital perd le pouvoir sur lui, il ne se masturbe plus. Le when, même frère, il ne se masturbe plus. When he gives his life to Christ, the python loses his power over him. The same brother stops masturbation. Même si tu es sourd, au nom de Jésus. Even if you're deaf, in the name of Jesus. Que tes oreilles s'ouvrent. Let your ears be open. Même si tu es aveugle. Even if you're blind. Que tes yeux voient. Let your eyes see. Que la sagesse t'habite. Let wisdom inhabit you. Tenons-nous debout. Let's be on our feet.
Bénissons le Seigneur parce que les victoires s'annoncent. Let's bless the Lord because victories are coming. Faisons une prière de prophétie. Dis, je vois les victoires. Let's do a prophetical prayer. Say, I see victories. Je les vois alignées. I see victories lining up. Elles se suivent. I can see victory following victoire, themselves. Victoire après victoire. Victory, après victoire, victory, victoire. Victory. Dans ma vie. In my life. Dans la vie des frères. In the life of the brethren. Dans la famille. In the family. Victoire, victoire, victoire. Victory, victory. Je peux contempler. I can see. La chute de l'ennemi. I can behold the downfall la of the chute enemy. De the downfall of the je enemy. Je peux constater. I can notice l'extermination, the complete destruction de tous mes adversaires, of all my adversaries. Exterminé, exterminé, exterminé. Destroy completely. Prions ensemble. Let's pray together.